Voilà, bonjour tout le monde. Lundi 16 octobre, Rosh Chodesh Cheshvan, Aleph de Cheshvan. Donc on va reprendre aussi le cycle Bézat Hashem du show de midi à midi et demi tous les jours sur Parashat HaShavua, sur Moussar, Shalom Bayit, etc. Donc prenez Parashat Noir, je sais. Parashat, demain, on parlera de la situation par rapport à la guerre, Bézat Hashem. En tout cas, aujourd'hui, on parle de Parashat Noir. Donc, Parashat Noir, donc Hashem dit à Noir de construire une Teva. Tout le monde connaît l'histoire. Il va envoyer le déluge. Il va détruire le monde, etc. Et à la fin du Rishon, donc nous sommes dans le Perek Vav, Pasuk Kafalef. On est dans les Chumashim, mes amis. Page 13. Non, page 14. Page 14. Pasuk Kafalef. Ve'ata et toi. Page 14, les enfants. Page 14. Voilà. Vav Kafalef, à la fin du Rishon. Ve'ata et toi, Kachlecha, prends pour toi, Mikol Me'acha la Shayachel. Toute nourriture qui est mangeable, prends-la pour toi. Ve'asafta et Lecha, et tu la ramèneras vers toi. Ve'aya Lecha ve'la'em, afin qu'il y ait pour toi et pour eux, eux ce sont les animaux, Leochla de quoi manger. Ve'yaras Noach, etc. Et Noach, il a fait ce qu'Hachem a dit. Donc je récapitule. Hachem dit à Moshe, à Noach, construit une Teva. L'arche de Noé pour amener tous les animaux, toi et ta famille, être sauvé du déluge. Et enfin, de discours, prends pour toi tout ce qu'il y a à manger, afin qu'il y ait pour toi et pour eux de quoi manger. Le Sichot Moussa, donc Rav Chaim Shmulevitz. Pour le vol. Ah bon. Le Sichot Moussa, livre que je ramène souvent dans la paracha. Donc c'est le livre qui fait le lien entre la paracha et le Moussa souvent. Il dit, pourquoi ici on ramène Ve'ata Kachlecha? Prends pour toi. Prends tout ce qui est mangeable, rassemble-le vers toi, afin qu'il y ait pour toi et pour eux de quoi manger. Ouais, on l'a dit à la fin, Ve'yalecha Ve'la'em Le'ochla, afin qu'il y ait pour toi et pour eux de quoi manger. Mais prends-le au début, prends pour toi. Ça, c'est la question des Mefarshim. Tu l'as rabbi Stéphane? Enfin, c'est bon? Alors, il ramène le Kliaka. Tout le monde connaît le Kliaka? Le Kliaka, il ramène. Il dit de la même façon que. Dans toute la Torah, quand on dit généralement, quand on dit lachem, pour vous, ça veut dire pour vous, c'est-à-dire à partir de vous. Ce qui t'appartient à vous. On c'était sous quoi il n'y a pas longtemps. Ulkartem lachem beyom harishon, peri et tzadar. Prenez pour vous, le premier jour de Sukkot, les quatre espèces. C'est quoi lachem? C'est quoi lachem? Nishé lachem, de vous. Stéphane, t'as quoi ou pas? Prenez pour vous, c'est-à-dire prenez de vous. Et donc si quelqu'un, il a volé un loulav le premier jour, ou même s'il a emprunté mais c'est pas à lui, il n'est pas au-dessus de la maison. Parce que c'est écrit la chem de vous. La question encore, on est encore dans la chem. C'est site. Attendez, il ramène encore un exemple avec la chem. Ou Sfartem la chem, non mais un truc qui la boucle qui est le gazelle. Il ramène encore d'autres exemples, excusez-moi. Je oublie ce qu'il ramène. En fait, quand on dit la reine pour vous, ça veut dire qu'il appartient à vous. Donc il dit le kliakar. Là aussi, quand c'est écrit karata karlecha, prends pour toi. Prends la nourriture qui appartient à toi. Michel, de toi. Noir, elle était riche? Pas forcément. Il avait beaucoup? Non, je vais expliquer. Il dit le kliakar, qu'est-ce que ça veut dire prendre de toi? Parce que du fait que Hachem va envoyer le déluge, et tous ces hommes ils vont mourir. Donc tout ce qui appartient à ces hommes, il est déjà voué à être efker. Non, tu pourrais penser à ça. Je pourrais penser à ça. Et donc Noir, il aurait pu penser, Hachem m'a dit de récolter la nourriture. Eh ben, je vais prendre de chez les gens, je vais leur piquer leur nourriture. Dans leur jardin, je prends les pommes, tout ce que je peux. Puisque tous ceux-là, ils vont mourir, ça va être efker. Et j'ai mis ça de nourrir tous les animaux dans la Teva. Donc, je pourrais prendre même du gazelle. Viens à toi et dis non. Michel, prends de toi et pas du gazelle. Comment il peut penser comme ça alors que lui, son but, c'est de les sauver? Et alors? Ah, ce picot des fèches, il peut faire? Non, j'explique ce que tu dis là. Ah, ça, c'est le pire du caca. Okay. Donc, le caca, il dit pour on dit les rats, pour pas gazelle. Il dit le sirote moussa, votre frère, je pouvais lui dire, il dit, mais c'est pas possible. Maman, Stéphane, quoi, ouais. Et si, on sait tous que Noir, il a mis 120 ans pour construire la Teva. Et pendant 120 ans, il avait un but de les faire Faire tchouba. Il redisait,
Pourquoi Hachem il a demandé à Noir de construire une Teva et pourquoi ça a mis 120 ans? Hachem il peut mettre du sel, une Teva et c'est fini. Non, pour que, en construisant un Teva, chacun il vient, il demande hey, au fait, tu fais quoi? Bah, je fais une Teva. Pourquoi? Parce qu'il y a le déluge. Ah bon, quel déluge? Oui, Hachem il dit que si vous faites pas Tchouva, bah, il envoie le déluge. Donc le but de Noir c'était au contraire de faire en sorte qu'il n'y ait pas le déluge, qu'il fasse Tchouva. Donc là tu dis que tu vas pas me dire que Hachem il te dit de prendre la nourriture, mais ils vont peut-être mourir, ils vont sûrement mourir, donc c'est Efker. Parce que pour que ce soit Efker, il faut que ce soit sûr qu'ils vont mourir. Ouais, c'est quoi FK? C'est les gars, ils vont mourir, il n'y aura aucun kinyan, donc je peux me les approprier. Mais toi-même, tu es en train de œuvrer pour que non, pour qu'ils fassent, tu vois. Donc ça marche pas ce que tu dis, le Kliaka. Non, mais même comment tu peux faire kinyan avant que le type soit mort? Oh, ça c'est la grosse question, c'est en plus, qui a dit que faire kinyan, une chose qui va être FK, oui, tu peux le faire dès maintenant. À part ça, le Khejban, il est faux. Lorsqu'ils seront morts et ce sera FK, tu pourras les prendre. C'est bon, je vais entendre. Bravo. Donc il dit, dans sa tête, il comptait pas, il voulait qu'au contraire, qu'il reste en vie pour les qu'il fasse Tchouva. Deuxièmement, le Kinyan, ça marche pas, c'est un Khejban de faux. Troisièmement, il dit, le Sikhot Mozar, il dit en plus, pourquoi Hachem il a envoyé le Maboul? Voilà, bah. Kimala Hama. Parce qu'il volait. Hamas. Il volait, les vols. C'est pas chez Hachem, ouais. Hamas, il dit Gezel. À cause du vol, enfin, à cause de la perversion d'eau. Mais Rashi ramène que le vol, ça. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. À cause du vol, excusez-moi. Ça y est, Hachem, il a été rotem. Il a signé qu'il y aura le Maboul. Donc, à cause du vol, il y a le Maboul. Toi, maintenant, dans le sauvetage du monde, c'est quoi? Tu vas faire une Teva pour sauver l'humanité avec ce noyau-là, d'animal et de d'humain, pour construire un nouveau monde. D'accord? C'est la Teva. Tu vas faire ça avec une base de vol. Je vais voler de la nourriture parce que le monde a été détruit à cause du vol. C'est sûr que Dor, il n'aurait jamais fait ça. Vous suivez là-bas? Hachem est en train de dire à cause du vol, j'ai détruit le monde. Donc, je veux sauver le minimum, toi, ta famille et les animaux pour sauver le monde. Donc, va voler de la nourriture. C'est anti-Teva de Noir, quoi. Ouais. Au contraire, comme on sait tous que pendant un an, Noir, il a fait du chesed avec les animaux. Il a pas dormi pendant un an, il a pas dormi. Donner la nourriture à l'un, c'était pendant que l'autre dormait. Mais bon, en même temps, ça, je sais même pas si Hachem, tout lui appartient. D'accord? Donc finalement, je t'aurais pu te dire que même au contraire, c'est un moussard de dire, tu sais quoi, tout appartient à fiston. Tout ce qui se sont fait leur cheshbon, c'est à moi, c'est à toi, ça marche, etc. Regarde, va où tu veux, prends et rentre dans la Teva. Donc je sais pas si on peut rentrer dans cette idée que lui, c'est le fruit du vol avec ça qui va partir. Bon, tu peux croire que c'est une autorisation de prendre. Aussi. Si moi je te dis prends, c'est prends, quoi. Ça veut dire c'est à moi, tout est à moi ici. Même toute leur malice et tout leur système à eux qu'ils ont fait, aujourd'hui ils sont dépossédés de tout. Toi, tout appartient parce que tu es le seul sadique de la génération. Tu dis bon, ben, si Hachem, ça aurait pu être un moussard. Non. Si Hachem il avait dit à Noir, prends, parce que c'est moi le patron, Dada qui prend, Hachem il prend, prends. Mais Hachem il dit pas, il a pas dit, vole chez l'an. Ouais. Il a dit, ramasse ta nourriture. Ouais, j'ai compris. Maintenant, moi en tant que Noir, je peux pas me dire, puisque c'est Hachem le monde, donc je vais voler, non. Non, c'est sûr, ouais. Mais quand même, il lui dit, prends pour toi. Ouais. Donc il y a quelqu'un. Ça veut dire, toi tu dis qu'il a. Il aurait pu avoir un début de Kavana. Mais toi tu dis parce que ça appartient tout à Hachem. C'est une récompense. Non, ça veut dire oui, il aurait été où son début de Kavana? Tu me dis, ah, il est pas dans le FKR parce que FKR c'est pas possible tant que le mec il est pas mort. Ah, il est pas dans le truc parce que lui il veut qu'il fasse Tchouva. Alors il est où? Il est, tout appartient à Hachem, je vais prendre. Je vais pas prendre Michoum FKR, je vais pas prendre Michoum machin. Je vais prendre Michoum projet. Raf, Sakanan et Fachot, il est européen. Même ça, ça a l'air bizarre. Pas de prendre non plus. Sakanan et Fachat, je vais tout détruire le truc. Prends tout ce que tu peux prendre parce que je vais tout détruire. C'est ce qui se rend nous ça. Ah, et puis en plus de non, ça, tu vois, ça peut être. Hein? C'est ce qui se rend nous ça. C'est que reconstruire le monde à partir de voler. T'as raison que je suis plus convaincu, j'ai doré. Mais ici, le vol, c'était à cause du. Madame, moi je te dis autre chose, madame. Lui, pourquoi il aurait pu aller prendre pour les autres? Non, un type maintenant. Non, un type. Il veut faire Yom Kippour sur la plage. Il y a dans une synagogue, il y a 17 Sefer Torah. À 17. Quand il va prendre, il rentre dans une synagogue pour prendre un Sefer, pour aller faire Yom Kippour sur la plage à des personnes qui ne vont pas pouvoir le faire, il se dit, mais moi, je suis permis, je suis dans une mitzvah là maintenant.
Il n'est pas en train de voler un Sefer Torah. Donc, lui, en vérité, il est là pour sauver l'humanité. Il dit, il y a bien un moment qu'ils vont venir, les mecs. Faut bien que je fasse les provisions. Qu'est-ce que tu fais, là? T'inquiète pas, je prends des fruits du jardin, c'est pour toi, fiston. C'est faux. C'est faux. Non. C'est faux parce qu'eux, ils vont mourir. Non, mais lui, c'est pas qu'ils vont mourir. Ah oui, il a encore... C'est pour répondre à la faiblesse du truc. Lui, il se dit... Je reprends ce que... C'est pour toi ce que je prends, fiston. Je suis en train de prendre des fruits pour toi. Ta vache, je la prends pour toi. Toi, tu dis que... Mais qu'est-ce que t'es en train de me voler? Non, je te vole pas, fiston. Tu vas rentrer dans l'arche dans une heure. Tu dis que Noir, si tu veux, c'est sauver les gens. Oui. Donc, dans sa tête, au contraire, ils vont, oui, rester en vie. Donc, si je prends la nourriture pour eux... Je suis pas en train de voler, j'ai pas, moi, assez pour tout le monde. Je te prends de tes biens pour toi-même. Quelqu'un, quand il veut du bien pour quelqu'un, tu peux pas lui dire « Ah, pourquoi tu m'as pris ma paire de tefilines alors que machin ?» Tu dis « Je les ai pris parce que j'avais très bien que tu allais les oublier. Je les ai pas volés. » Ouais. Non, c'est le seul délire qui peut amener à dire que peut-être que lui, il se serait dit « Je vais prendre. » Tu dis « Mais pourquoi tu prends le bien de l'autre ?» Lui, c'est pas son but. Mais moi, je prends son stock pour lui. Moi, je peux. Parce que lui, il le fera pas. Après, pour l'instant, il le fera pas. Et quand ça va péter, crois-moi qu'il va vite rentrer. Et il sera bien content que je lui ai mis de la canne de côté. Personne ne dit que prends pour toi, ça veut dire ne prends pas trop. Prends juste ce qu'il y a que pour toi. Non, parce qu'après, il dit Veaya lecha velahem leochla. D'accord. Afin qu'il y ait pour toi et pour autre quoi manger. Donc ça veut dire prévois une quantité énorme. Dingue. Agave, ils disent les mfarchim, Agave, en parenthèse, c'est que c'est sûr que Noir, il ne pourra jamais récolter tout prendre. C'est comme sur la Teva, vous savez, la question de la Teva. Fait 300 amot de largeur, de longueur, 50 de largeur, 30 de hauteur, pour tous les animaux du monde, enfin une paire d'animaux. Ok. Tu m'as dit ça, je fais ça. Je fais ça. Tu m'as dit prends, je prends ce que je peux. Ah, est-ce que ça a tenu ou pas? C'est pas mon problème. Moi, je fais ce que tu m'as dit. Tu m'as pas dit, Noir. Tu es responsable que tout le monde mange pendant un an. Tu m'as dit ramasse la nourriture, j'ai ramassé la nourriture. Est-ce que ça va faire un feu que tout le monde mange? Allez, l'odeur. La gaffe, c'est un moussard en soi. De la même manière. Non, Noir, il n'a plus d'avant, putain. Je me fatigue à faire une Teva. Pour 300 mètres, 300 au truc. Il n'y a que le car qui va rentrer des animaux. La nourriture, ça va nous assurer pour deux jours. Qu'est-ce que je commence, Pirklan? Non, mais de la même manière. Il a fait une Teva, il a ramassé la nourriture. Et tu vois, de la même manière. Ça marchait, c'est un moussard. De la même manière qu'il a mis des limites. Dans la Teva. Il a mis des limites. Dans la Teva, 52 là. Ouais. De la même manière, je te donne des limites pour la nourriture que tu vas prendre. Non. Ah, c'est un four, j'entends. Milan. Ah, moi, je pense que c'est un four. La safta, elle est ramasse. Tantôt, pas Zion. Oui, mais ramasse pour toi. En parenthèse. Ramasse pour toi et pour les animaux, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est pas limité. Bah, si. Ramasse pour. Il va y avoir deux animaux par terre. Il a pas dit pour combien de jours, on sait pas. Noir, là, il sait rien. C'est pire que nous, avec le sud. Noir, il est dans le noir total, les fils. Il lui a pas dit que je vais faire pleuvoir. Il lui a dit je vais faire pleuvoir 40 jours, 40 nuits. Alors, je vois bien. Quoi, lui a dit ça? Vas-y. Non, il lui a pas dit. Il lui a pas dit. Déjà, il lui a pas dit. Il lui a pas dit. Et après. Il lui a rien dit, nous. Non, non, il a pas dit. T'as donné la réponse avec la Teva. Vas-y. Enfin, pour moi, ça me touche dans une réponse. En fait, qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation surnaturelle, là. On est d'accord? Ah, finalement, qu'est-ce qui peut sauver ce peuple? Qu'est-ce qui peut les sauver? La Tchouva. Il n'y a qu'une seule chose qui peut les sauver, c'est une Tchouva. D'accord? Et le seul aujourd'hui qui tient, finalement, si lui-même, le seul, il n'est pas 100% dans une dynamique surnaturelle, comment tu veux que les autres le suivent? Comment tu veux qu'il puisse y avoir un retour? Ça veut dire lui, Hachem, il lui dit déjà, toi, sois vraiment dans une situation où tu crois que même récolter 4 pommes, ça peut nourrir 100 personnes. Après, on verra pour les autres. Si toi, déjà, t'es comme ça, alors peut-être ça peut jouer. Mais si lui-même il dit bon les gars, il faut du stock, il faut du machin, prends pour toi, prends machin, pas truc, bon, il va arrêter. Ça veut dire que c'est pas divin le sujet. C'est plus moi le patron. Il répond à la question de ce ça là. C'est quoi déjà la parole? Non. Attends, je reviens déjà pour ce tout à l'heure. Je réponds à la question de tout à l'heure pour expliquer les paroles de Stéphane. Stéphane qui écrit dans le journal. La question était, Hachem dit à Noir, prends pour toi, attention pour toi, et pas du vol. Le client qui a dit, parce qu'on en a le qui va voler, Hachem dit ne vole pas. Bon.
Ça c'est vraiment ça dit. Pourquoi Noir aurait-il besoin de voler? Pourquoi Noir irait voler? Tout son but, c'est de vouloir reconstruire le monde et de mettre à quel le vol qu'il y a eu à cause du... Pour ça, on a pas oublié les venus. Ça, c'est pas dû me dire que Hachem, il dirait à Noir, je veux, c'est pas vraiment pour exploiter le vol. C'est sûr qu'il irait pas voler, vous, Noir, comme c'est vraiment ça. Tout le monde sait, il irait pas voler, il va pas voler. Et le Rishbon du FK, c'est pas un Rishbon. Mais ce qu'Hachem veut dire à Noir, c'est, quand je dis il prend pas du vol, c'est pas vraiment que tu vas voler. C'est pour te dire, je veux que tu aies une démarche tellement surnaturelle que tu te suffises, mamage, de ce que tu as dans ton frigidaire, dans tout ce que tu as à la maison. C'est tellement surnaturel. Mais à la Teva de prendre ce que moi j'ai personnellement sans l'aide des autres pour sauver tous les animaux. Hachem lui demande d'avoir une démarche surnaturelle. Si tu es prêt à avoir cette émouna là, que tu viens avec tes petits sacs là, de la maison, ce que tu as pu récolter, et tu ramasses tous les animaux, tu construis une Teva avec ces petits sacs là, alors là il y a une chance que les gens ils disent, si déjà lui, le meneur. Au final, comment ça s'est passé dans la Teva? Ah. Je sais pas. Au final, c'était délicieux. Ouais, au final, comment c'est passé? Il a ramené ses provisions et c'est ce qu'il a. Ouais. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que si toi, le meneur, t'es à 100%, c'est-à-dire que le gars, il y croit à ce qu'il fait. Parce que s'il n'y croirait pas, il ne va pas construire pendant 20 ans de Teva et réunir tous les animaux pour leur donner 5 pommes à chacun. Et puis, ils vont demander Pascal. Il n'y a personne qui associe la nourriture en fait, à la patate. Il n'y a personne qui associe la nourriture à autre chose que de la nourriture. Du style, tout ce que tu as toi, tu vas devoir le transmettre aux autres. On va voir presque ça. Pas vraiment comme ça, mais on va voir, c'est dans le kimono. En tout cas, alors la parenthèse qu'on a fait, c'est que... Cette idée-là, le fait de donner aux autres, le fait de donner aux autres. Ouais, c'est dedans là-bas. Et vu qu'on sait que très bien que toute la nourriture qu'il a, lui, elle suffit pas de... On va le voir, attends, 30 secondes. Juste pour dire, la parenthèse qu'on a fait, c'est que... C'était quoi la parenthèse qu'on a dit? C'est ça, quoi, que Noir... Ça quoi, que Noir il a une démarche tellement surnaturelle. Ça quoi, que Hachem et Noir il a une émouna tellement grande qu'il construit la Teva pendant 120 ans et il réunit tous les animaux, sachant que finalement, presque ça sert à rien ce que je fais parce qu'il n'y aura pas de provisions, on va tous mourir de faim. Mais si comme il attendait de lui qu'il ait cette émouna, que non. Moi ce que je fais, ce qu'Hachem m'a demandé. Hachem il avait dit ramasse, je ramasse. Maintenant, ça va suffire, ça va pas suffire. C'est pas mon problème. Ok? C'est bon, je suis là-bas. Ok, alors le Soron Moussa, il n'est pas d'accord avec toi. Et puis à part ça, même si je vais te dire que même c'est-à-dire qu'en vérité, Hachem, il veut reconstruire l'humanité à partir de lui. C'est-à-dire que même si c'est pas la Kavana, elle n'est pas que grâce à ça, les autres, ils vont faire Tshuva. Elle est que je veux repartir avec toi, je veux repartir avec un mec Shalem. Un mec Shalem, lui-même, il est anti-koun là. C'est-à-dire que là, c'est son tikkun à lui. Je suis en train de te dire, prends à manger pour toute l'humanité. Si tu es capable de faire un truc comme ça et de rentrer dans l'arche avec 4 pommes, à ce moment-là, on va redémarrer avec toi vraiment. C'est-à-dire je suis en train de finir ta construction. Tu as fait un truc pendant 120 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais encore te faire un truc de ouf. C'est ça. Pense que tu vas sauver tout le monde avec 4 pommes. Si tu rentres dans la Teva avec tes 4 pommes et que tu y crois, on pourra redémarrer ensemble. C'est même pour le nouveau monde à venir. Alors là, il y a besoin d'un homme qui était à 100%. Très bien. Damien, il nous reste encore quelques minutes, là, c'est bon? Non, pas quelques minutes. Alors, prenez le non, la première, la numéro 4 média. Prenez Rav Dessler, Damien. Alors, le Sirom Moussa, il va répondre à sa question. Prenez Rav Dessler, Damien. Alors, les enfants. Non, il dit Rav Dessler. Non, prenez la première feuille. Mirtav Meliaou. Donc, nous sommes dans le... Khelek Aleph de Rav Dessler, de Mirtav Meliaou, vous savez qu'il a écrit ce qu'on appelle tout un Kuntra Sachesed. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a écrit tout un chapitre, un long chapitre. Généralement, c'est quand on fait Rav Dessler, c'est le premier chapitre qu'on fait. Kuntra Sachesed. Donc là-bas, il définit avec quelques chapitres, quoi, quelques prakim, il définit c'est quoi vraiment ce qu'on appelle le Chesed. Bon, c'est très intéressant pour commencer le... C'est quoi le vrai Chesed. Et il a un Keta qu'on va commencer maintenant. Prenez en rouge. Donc nous sommes dans le Chelek Aleph, page 36 dans la nouvelle édition de Mishnah Meliaou. Kan Shela Yafa Ahmed et Tefanenu. On va traiter d'une nouvelle Shela devant nous. Une nouvelle question. En Ahava Venetina Baot Keechad. Donc, là, nous savons que l'amour et le don, Vesbiga, ça vient en même temps. Aïma Anetina Itoldat Ahava. Est-ce que le fait de donner, c'est parce que
c'est une conséquence de l'amour. Ou le contraire, on va faire Ava Bam Nanteva. J'aime parce que j'ai donné. Écoutez bien, David. Grand histoire dans Rav Dessler connu. Est-ce que je donne à ce que j'aime ou j'aime à qui je donne? Est-ce que parce que j'ai donné à quelqu'un, donc du coup je l'aime parce que je lui ai donné? Ou non? D'abord je l'aime et comme je l'aime, j'ai envie de lui donner. Alors il dit Organu l'archov et anetina et toldata ava. On a l'habitude de penser qu'on donne à qui on aime. Qu'il a chérié à Adam. L'homme qu'il aime, l'homme aime quelqu'un, il fera du bien. Avala Svera Shinya, la deuxième Svara, qui yav Adam et prima Asav, au contraire, l'homme, il aime le résultat de ses actions. Monsieur là-bas, le produit de ses actions. Bergisho Shechalek Imnatsmuto Baem, ou qu'il se sent, il sent qu'il y a une partie de lui-même qui est là-bas. Ça veut dire en deux mots, le contraire. Parce qu'un homme, il va donner à quelqu'un, il va donner, 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 et ben, dans ce quelqu'un-là, il se retrouve. Parce qu'il a donné, Réhouven a donné à Shimon. Dans Shimon, il retrouve un peu lui-même. Une partie de lui-même, parce qu'il a donné à Shimon. Et donc, c'est ça qui va l'attirer chez Shimon. Est-ce que vous suivez là-bas? Si je vous demande, c'est quoi l'amour entre les personnes? Je ne parle pas de l'amour du poisson. Mercredi matin, sur le bait. On parle de l'amour vraiment. Pourquoi on a aimé quelqu'un? Il y a un phénomène quand tu fais du chesed, et quand par exemple on distribue des colis ou des choses comme ça, ce que tu reçois, c'est plus grand que ce que tu donnes. Donc, peut-être dans ce sens-là, ce que tu vas recevoir à la personne à qui tu donnes. Je sais pas si c'est de l'amour ça. Ce que tu reçois, non mais c'est ce que tu vas recevoir de la personne en face. Ça c'est d'accord, tu vas gagner plus que ce que tu reçois, mais moi je parle de l'amour. Et tu aimes quelqu'un. Enfin, ce truc-là, ce fait de recevoir. Tu gagnes quelque chose. Mais l'amour, c'est... En fait, là, tu t'aimes toi, moi. Oh. C'est quoi l'amour? Comme ça, j'aime la créer l'homme. L'amour, c'est que... Oubliez maintenant le don de donner, même sans donner. Quand j'ai un copain, quand j'ai un voisin, quand j'ai... Je me retrouve chez lui. Ouais, c'est un peu sentimental. Je me retrouve chez mon copain là-bas. Ouais, mais... Je sens que les deux, on a un point commun. Ah, voilà. Si moi-même, je suis là-bas, c'est encore pire. C'est encore mieux. Moi-même, je suis... Lui, c'est moi. Ah mais tu sais quoi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais compris cette idée-là. Je l'avais pas compris. Oh. Je viens d'avoir un truc là. Non, j'avais pas compris parce que à chaque fois, on dit comme ça. Il y a une partie de moi chez l'autre. Finalement, ce que j'aime chez l'autre, c'est ma partie. Bon, ok, c'est mignon, mais on n'arrive pas à le matérialiser, tu vois. Et en plus de ça, ça a l'air, comme tu dis, que c'est que moi que j'aime, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que quand tu t'investis pour quelqu'un, c'est comme si tu créais un macom. Tu crées un espace de complicité. En fait, tu crées un espace de complicité. Ah, parce qu'il y a des gens, finalement, tu t'aperçois que ça fait 15 ans, 20 ans que tu les as pas vus. Mais il y a toujours un lien qui est particulier. Voilà, c'est vrai. Parce que le moment que tu as vécu, c'était vrai. Tu as vraiment partagé quelque chose avec personne. Tu l'as vraiment donné de ton intimité, de pas forcément. Et ça a créé comme un espace qui fait que quoi qu'il arrive, quand on va se retrouver, on aura toujours cet espace-là qu'on a créé entre nous, non, en fait. Ça marche pas, mon truc. Donc, il y a un espace de complicité qui existe maintenant. À chaque fois qu'on va se retrouver, on aura ce lieu où on peut s'appuyer dessus. Steph, il manque un truc. Ça me parle plus, ça, moi, que dire il y a une partie de moi chez l'autre. Il manque quelque chose dans ce que tu dis. Quoi? C'est-à-dire que moi, je peux me donner à quelqu'un, m'investir, mais si la personne n'est pas reconnaissante, ou si la personne elle ferme, elle c'est est là, fermée. C'est quand même là. Non? Non? Bah, je parce que t'as, quand même... une personne n'est pas reconnaissante envers ce que tu lui fais, et. Tu dis, il n'y a pas de retour, est-ce qu'il y a quand même un espace? Bah oui, toi t'as créé un, lui il l'a pas créé. S'il n'y a pas eu de, pas d'existence, mais t'as pas eu de rapprochement. Bah, mais pas moi, il faut que le rapprochement il se fasse mutuellement. Apparemment, l'espace qui parle. Tu peux avoir la compassion pour quelqu'un, si cette personne-là elle te j'ai l'impression que tu crées un truc. Non, toi, t'as créé ta physique. Non, je te parle physique. Physiquement, tu as créé un truc avec la famille, tu vois, on est parents, on est frères et tout. Il n'y a pas de retour, mais tu te sens bien avec, tu te sens. Ouais, mais. Ah, d'ailleurs, c'est quoi la bonne chose? C'est vrai que des fois, t'as des pères, c'est des murs. Ouais. Le fils, il est comme un fou qui vous d'AVM. Ouais. Et ben, le mec, tu le vois.
ça sera le seul de la famille. Il va toujours défendre son père. Il va toujours aimer son père. Il va toujours et il va sentir un lien avec son père. Il est malade. Et pourtant le père, et à la rigueur, c'est lui qui pourrit tout le temps c'est le plus. Mais c'est pas fou furieux le bonhomme. C'est pas cachoir avec le kibout que tu fais ça. Si, parce que toi, t'as créé quelque chose. C'est cachoir avec le fait de la reconnaissance que t'as. Il t'a donné la vie, donc t'es obligé d'avoir une reconnaissance. Mais il y a un truc avec lui que il s'exprime pas à l'extérieur, mais il y a un truc. D'accord. Mais sans truc, tu te dis, je lui donne. Ça veut dire. Ce que je veux te dire, doit être le père le plus hermétique comme tu dis. Ce que je veux te dire, c'est que le papa, lui, ok, peut-être il a une position d'hermétique, ouais. Mais si tu le prends maintenant, tu lui mets un coup de glaçon dans la tête, tu dis bon allez, dis-moi, c'est qui t'as un truc spécial. Il dit tiens qui avec celui-là. Oui. Il dit mais pourtant tu le montres jamais. Je dis ouais mais Arziz, le nombre de fois où il s'est levé quand je suis rentré dans la maison, le nombre de fois où il m'a embrassé la main, le nombre de fois où machin, c'est lui, c'est celui-là là. C'est avec lui que j'ai le plus de lien. Je dis mais on le voit pas. Ben on le voit pas, mais il existe le lien. Là, tu prends un exemple, c'est un père, frère. C'est pas. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a un lien. C'est quoi l'amour? C'est créer un lien avec l'autre, mais que tu laisses. Comme il dit, mais un lien. Tu laisses de la place. Tu laisses de la place à l'autre. C'est intérieur. C'est laisser de la place à quelqu'un. C'est caché. Pas de problème avec ça. Mais pour ça, ça va en lui donnant. C'est un secret. Oui, parce que j'arrive à ça. J'ai pas de problème à ça. Mais sauf que c'est pour moi. C'est un truc. Il faut que ça. Bien ce qui est visible. Il faut que l'autre aussi. Il faut que les deux soient sur le même. Peut-être c'est toujours comme ça. Quand vraiment tu donnes ton temps, peut-être. Peut-être, oui. Mais il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. C'est visible. Parce que le lien, il est visible. Des fois, le lien, il n'est pas visible. Tu fais des choses. Ça crée des impacts à l'intérieur, mais le type en face, il bouge, il bronche pas. Ça n'empêche que tu es quand même lié très fort. Et derrière la phrase sur quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que c'est? Tu lui donnes plus. Tu l'as donné une fois, il t'a pas truc. Pas une femme, elle va pas forcément nous dire que tu as plus de l'aider. Elle a un attachement à son mari. Qu'elle ne peut pas l'expliquer, elle ne sait même pas l'expliquer. Bah ça, c'est parce que c'est. Et elle le dira pas. C'est marqué dans la première mais par paracha. Contre, elle est explosée de partout parce qu'elle sait que son mari, il lui donne une tonne tous les jours. Ça, c'est marqué dans Bereshit. Ça, c'est dans le massacre de la femme qu'elle soit soumise à son âme. Dans le sens où. C'est ça que je te dis, moi. Je te dis, la femme, elle ne va pas forcément dire merci à son mari. Ouais. Elle ne va peut-être pas le reconnaître. Ouais. Mais par contre, tous les efforts que lui, tout ce qu'il a créé en elle de lien, tout ce qu'il lui a donné. Ouais. Eh ben, en vérité, ça la rend. Alors, c'est pas expliqué, c'est pas dit, c'est pas des mots d'amour. Mais en vérité, elle est très, très, très attachée à son mari. Le type, il dit je pars en voyage. Elle te dit je sais pas si je vais pouvoir rester sans lui. Tu dis mais je comprends pas. Ah bon, ouais. Tous les jours, tu pourris, machin, truc.